C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Tu veux pas savoir, Denis, comment je souffre tous les jours, que le je morfle. Le pire, Vincent, si je peux me permettre, ce sont tes petits copains autour de la table qui rigolent. Hein. Ouais, ça. D'accord, Denis. Ça, j'en prends. Soirée Ligue des Champions. Hier, on démarre léger, vraiment léger, sur Canal+. Fin de Leipzig-Monaco. Youri Tillmans est interrogé par Dominique Armand. Léger. Et on aurait dû mieux exploiter nos actions. Maintenant, voilà, on sait que 1-1 à l'extérieur, c'est jamais perdu. Et non, 1-1 à l'extérieur, c'est jamais perdu. C'est un match nul, forcément. Youri Tillmans, il est. C'est la logique belge, ça, Vincent. C'est la logique. Jean-Michel Larquet est de plus en plus en roue libre. Dugas lui souhaite un joyeux anniversaire. Jean-Michel a 70 ans. Écoutez la réponse de Jean-Mimi en total roue libre. Jean-Michel. Est-ce que Raymond Domenech t'a souhaité un bon anniversaire? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Avec des cœurs et des bisous là, tu sais, je sais pas quoi, des smileys et tout. Là. Non, j'ai été particulièrement gâté, y compris par Raymond. C'est l'amour fou depuis quelques années entre Jean-Michel Larquet et Raymond Domenech. Thomas Touroud, qui présente tout le sport sur France 3, Vincent. Tu as été coach de Thomas Touroud au PUC. Il était semi-professionnel, tu l'as formé et tu l'as aussi déformé, le petit Thomas. Paris 2024 hier sur France 3, il prend Nelson Monfort en duplex avec une invitée vraiment exceptionnelle. Retrouvez Nelson Monfort pour toutes les réactions également. Et il est déjà bien accompagné, Nelson Monfort, avec Estelle Lefébure. Si je ne m'abuse, bonsoir Nelson. Estelle Lefébure. Ah bon. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Oui, nous sommes aux côtés d'Estelle Mosley, championne olympique à Rio. Merde. Alors, c'est la maladie du Moscato, on appelle ça. En même temps, je trouve que le lapsus est totalement révélateur et totalement terrible. Il a dû ramer en rentrant à la maison avec son épouse Thomas Touroud. C'est-à-dire qu'il pensait à Estelle Lefébure en pleine émission de télé. Il rame déjà face à nous. Et puis, je ne suis pas un spécialiste de foot, messieurs, dames. Mais hier, dans l'after, grâce à Jérôme Roten, j'ai appris une nouvelle expression pour crépir un joueur. Alors, je ne la connaissais pas. Peut-être que Pierre, toi, footeux, tu la connais. On va voir. Hier, Jérôme nous parle du latéral monégasque qui a fait un match très moyen. Almami Touré. Touré, oui. Touré, il avait les boîtes aujourd'hui. Hein. Touré, il avait les boîtes. Alors, je connaissais les Nordicas dont tu nous parles souvent. Quand tu gardais les boîtes aux chaussures, aux saucisses. Ouais. Jérôme, tu peux nous expliquer cette expression, Jérôme? Les chaussures toutes neuves, tu sais, t'aimes bien la phrase, les chaussures neuves, on les met en avant et tout. Mais lui, il a pas enlevé les boîtes. Ouais. Ah ouais, non, il les avait. Il a pas enlevé les boîtes des chaussures. C'est connu. Je connaissais pas. Il se peut employer. Vous, vous jouez pas avec les pieds, les gars, mais nous, c'est connu chez nous. Vous, c'est les moufles. Vous, c'est les moufles. C'est le cerveau. Et on embrasse le petit Touré qui, dans sa voiture, qui nous écoute et doit apprécier, c'est sympa. Sans transition, Eric, tu sais qui est ton pote là? Il nous rappelle encore aujourd'hui là? C'est un ancien canari qui parle. Critique pas Marcel, c'est les copines. Souvenez-vous, hier je vous diffusais une vidéo de Marcel Desailly qui chantait au milieu du supporter du Celtic Glasgow, You'll Never Walk Alone, il était à bloc, etc. Mais nouvelle vidéo postée sur son compte Twitter qui date d'avant le match. En plein après-midi, il est devant un stade et attention, Marcel a vraiment failli ne jamais voir Celtic PSG. Ça y est, nous sommes à Glasgow. Super. Un grand match ce soir. Oui. J'attends ça avec grande impatience. On espère qu'on va avoir du football de qualité. Mais qu'est-ce qui se passe? Zut, c'est pas le bon stade. Tout va bien pour Marcel Desailly, je te rassure, Eric, ton copain va bien. Tu sais combien de me crépir, il a du Jean du Jardin lui aussi. Il était devant Ibrox Park en fait, Ibrox, le stade des Glasgow Rangers, l'autre club de la ville de Glasgow. Je pense que les deux stades sont pas très éloignés, non Glasgow. Mais est-ce qu'il s'est réellement trompé? Non. Non, je pense que c'est rigolo quand même. Il y a c'est du une gaz, blague. Vous comprenez pas les blagues de foot, vous? On n'est pas sûr, mais ça. Ah, mais c'est sûr que si ça pas caca pipi, c'est pas rigolo pour vous, c'est sûr. Deux tonnes ça, Pierrot. Non, mais là, quand même. C'est surtout que. Non, mais là, il est fort quand même. T'as compris la blague, Vincent, toi? Ouais. C'est blague de footeux, quoi. C'est une blague de foot. Je sais pas si c'est une blague en plus. C'est pas que c'est une blague. Non, mais ils font des blagues sans le savoir au foot, c'est ça le pire. Il fait le tour des stades de l'Euro 2020. Moi, je crois qu'il s'est trompé. Pour l'Euro 2020. Moi, je crois qu'il s'est trompé. Vraiment. Mais moi aussi, je le crois. Et après, il en a fait une blague, c'est ça qui est inquiétant. Sans transition, Vincent, là, c'est instant solennel. Paris 2024. Ah ouais. C'est donc officiel. Paris organisera les Jeux Olympiques d'été du 2 au 18 août 2024. Hier à Lima, nous avons découvert le clip de promotion de l'événement. Le principe du clip est simple. 24 mots représentant Paris, 24 mots prononcés par des personnalités et des inconnus. Parmi les gens connus, le chef par exemple, Alain Ducasse, qui nous a dit ça. Gastronomie, forcément, puisque c'est Alain Ducasse, c'est un chef. C'est fort, invité de dernière minute à un joueur pas très connu du Paris Saint-Germain.
Ici c'est Paris. Ici c'est Paris, c'est Neymar. Neymar, voilà. Ils mettent pas les R aux Brésiliens, c'est ici c'est Paris. Neymar, donc, et puis ils ont choisi. Il parle français déjà, oui, ça fait bien quoi, sûr. 15 jours qu'il est là. Totalement bilingue, Neymar. Et puis ils ont choisi un acteur français. Alors Vincent, je pense que tu as décliné l'invitation de Paris 2024, oui, parce que tu devais être pris peut-être sur un tournage, je déconne. Et donc par défaut. Il est méchant avec toi. C'est déplacé ça. Même pas, t'as tout oublié quand tu commençais, que tu me portais le sac, que tu t'es allé me ranger la veste quand je suis arrivé au studio, t'as tout oublié. Par défaut, mon petit Vincent, solution de secours. Ils ont fait appel à un acteur pas très connu français qui s'appelle Jean Dujardin et qui a dit ça, Jean Dujardin. Amour. Amour. Ah. Amour. Jean Dujardin. Est-ce que tu l'aurais dit aussi bien ton message? Et bien justement. T'es fou quoi. Ça leur a dit Sarah Connor, c'est vous. T'as bien entendu Jean Dujardin, Vincent? C'est vous, Sarah Connor. Avec Fred. Tu vois, ça c'est autre chose comme gueule, non, Eric? Ouais, ouais, toi, c'est vrai. Je sais pas, j'en ai les frissons quand tu l'as dit. Meilleur, Vincent. Avec Frédéric Pouillet, on s'est dit, on aimerait bien imaginer ce que ça aurait donné, toi, Vincent, si t'avais pas refusé la proposition. Donc, tu vas le faire dans le même contexte. Imagine Jean Dujardin, il était sur les quais de Seine, sur les pavés, tu vois, devant Notre-Dame, etc. Le même mot à la parisienne, Vincent, amour. Tu dois dire amour, ok? Pour le clip de Paris 2024. Ouais. Vincent, action. Amour. Pas mal. Pas mal. Non, ça passe. Ça passe. Bravo, Vincent. J'ai même pas envie de me moquer. T'as dit, c'était bien. On fait avec Bougnette. Voilà, vas-y, je refais avec. Action. Bougnette. C'est marrant, ça te va. Et j'aimerais bien, avec Frédéric Pouillet aussi, on a une idée de génie. J'aimerais bien, quand même, en tant qu'ancien maire de Paris, que monsieur Jacques Chirac nous dise un mot sur ces Jeux Olympiques Paris 2024. Peut-être qu'il nous dise amour. Amour. Oh, c'est bon, ça, Eric. Tu sais que tu le tiens là maintenant. Eric, franchement, tu l'as bossé, Eric. Tu l'as bossé. Il t'avait prévenu. Il t'avait prévenu. Vincent, si Jean Gabin pouvait être là et nous dire un mot. Tu sais que c'est l'amour. Bien, bien, bien. Tu vas faire Sarko si tu veux, non? Amour. Ah, Denis? Non, je veux dire amour. C'est quoi? C'est bon. C'est affreux. C'est mal aux oreilles. Pierrot, fais-nous un truc. Fais-nous, je sais pas, Bourville, Pierrot. Fais-nous Bourville. Ouais. Mitterrand, Pierre. Allez, fais-nous Pompidou. Vas-y. François Mitterrand. Allez, monsieur Mitterrand. Vas-y, Pierre. Attends, concentre-toi. Allez. Ah, tu es nul! Monsieur le Président, c'est s'il vous plaît! Impossible. Alors, vas-y! Amour! Ça, y a rien du tout! Y a rien qui ressemble! Quoi. Amour, c'est ça! Fais Gilbert de Bois, ouais! Fais Félix Faure! Tu sais pourquoi je dis Félix Faure? Non, pourquoi? Bah, comment il est mort, Félix Faure? D'un train, il est tombé, non? Non, il est mort. Il est mort avec sa maîtresse à l'Elysée. Et les journaux ont titré le lendemain, c'est là où ils ne manquaient pas d'imagination. Il voulait tellement être César qu'il a fini pompé. Voilà. Tu sais que ça a failli arriver à Hollande, ça? Sans transition. Ça c'est gratuit. Oh, c'est pas vrai, c'est gratuit. Comme ça, gratuit. J'ai jamais envie. Toujours les jeux. Vas-y, alors explique-nous. Vincent est là pour venir à la rescousse des présidents de gauche, encore une fois. Merci, vas-y, Vincent. Vas-y, non, Denis. Je m'en mets. Toujours les jeux. Attention, Denis. Émotion, c'est l'instant Zizou. Pas ça, Zizou. Pas ça. Oh non, pas ça. Hier. C'était bon ce morceau quand même. Après la victoire du Real Madrid 3-0. Il a fait des tubes quand même. Putain, mais ce type, quoi, c'est quand même un surdoué quand même. Les mecs comme lui, Goldman, c'est quand même quelque chose de terrible. Si j'étais né en 17 à Leipzig. Magnifique question. Magnifique chanson. Hier soir, après la victoire du Real 3-0 face à Nicosie, Frédéric Hermel a interrogé Zizou, Wisin et Zidane sur Paris 2024. Et puis. Oui, parce que c'est important quand même pour un média d'avoir Zidane sur les jeux. Ah bah, pardon, bien sûr. Ouais. Écoutez l'analyse, plutôt Vincent, l'appel de Zizou, il est allé très loin, message très fort. Éloignez peut-être les enfants du poste radio, Zidane accuse. J'espère que ça sera des beaux jeux parce que de toute façon, en tant que sportif, 2024 c'est loin, mais en même temps c'est court. Donc c'est, ce qui était important, c'était de gagner. Voilà. Maintenant, après, on va profiter de ces jeux. Voilà. J'ai envie de chialer, Vincent. C'est qui va chercher tout ça? Le général est avec nous, Vincent. Ah non, mais ça, c'est Zizou, on peut rien dire sur Zizou comme sur Bernard. C'est comme ça, il y a deux noms. Comme ça. Tu sais que c'est loin, mais en même temps, c'est proche. Yannick non plus, on peut rien dire. Yannick non plus. Et maintenant, De Sailly non plus, parce que c'est ta copine. C'est dingue, Pierrot. C'est fou.
il ose des trucs. C'est d'avoir, non mais ce qui est fou, franchement, ouais. c'est d'avoir une telle aura sur ouais. le terrain. Ouais. Je finirais pas ma phrase par respect. Vincent, c'est Vincent, j'ai été méchant, je te présente mes excuses. Ouais. T'as un point commun avec Jean Dujardin, vous avez rempli des salles avec des millions de spectateurs et je ne plaisante pas, Vincent. Je ne plaisante pas.